Je comprends tout à fait. Mais mon client participe à un championnat. Alors si vous souhaitez notre participation, ces conditions ne sont pas négociables. Oui, bien sûr. Contactez-moi dès que possible. Au revoir. Faut toujours que ça coince quelque part. Bref, c'est gentil d'être venu aussi vite. J'aimerais qu'on aborde rapidement un ou deux points avant la course. Tout d'abord, comme prévu, voici un exemplaire du contrat. C'est un très bon contrat, mais l'écurie se réserve le droit de le résilier en cas de performance décevante. Vous êtes second pilote, mais avec de bons résultats, je vous trouverai de meilleures propositions. J'aimerais aussi que vous participiez à des épreuves de prestige durant la saison. C'est une belle expérience et un bon moyen de promotion, et en prime, vous pourrez conduire d'anciens modèles. Bien, la prochaine séance va commencer. Bonne chance. Bienvenue à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie où la séance d'essai est sur le point de débuter. Le briefing d'avant-course est terminé, il est temps pour les pilotes de montrer de quoi ils sont capables. Nicolas Martin m'accompagne durant les essais libres. C'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Selon vous, quels sont les points à surveiller aujourd'hui ? À mon avis, il faut observer l'ensemble du plateau pour évaluer les performances de chaque monoplace avec un seul train de pneus. Les participants vont essayer plusieurs réglages et embarquer une quantité de carburant variable. Mais en suivant la course de près, on établit des tendances pour chaque type de gomme. On arrive ainsi à déterminer grosso modo le temps qu'un pilote peut rester sur la piste avant de s'arrêter. Vas-y, mollo sur les deux premiers tours. Effectivement, Jean-Paul et Nicolas sont en studio, mais nous sommes nous ici à Melbourne pour vous faire vivre la première manche de cette saison 2017 de Formule 1. Bonjour, bienvenue en direct des premiers essais libres de cette saison. Et les premiers moteurs sont en train de rugir et c'est un Belge qui va inaugurer cette piste de Melbourne et cette saison 2017 avec Maxou qui va donc être le premier à sortir de la pit lane avec la Force India toute de rose vêtue. On est ensemble pour vivre donc ce premier week-end de la saison avec pas mal de nouveautés. On va y revenir tout au long de cette saison. Je suis en tout cas pour ma part ravi de vous faire vivre l'ensemble des 20 rendez-vous de cette année avec, vous le verrez, pas mal d'émotions dans cette nouvelle saison. On ne perd pas un instant de plus et c'est parti pour les premiers moments de recherche et de développement sur les voitures. Vous le savez évidemment, il faut désormais développer les monoplaces dans chacune des écuries avec la nouvelle réglementation imposée en début de cette saison 2017. Nous risquons d'avoir pas mal de problèmes de fiabilité, pas mal d'actions en course, en piste, il risque d'y avoir du spectacle. Les voitures ont bien changé, les pneumatiques sont également neufs, plus de grip, plus de passages en courbe, les chronos et les records devront tomber tout au long de cette saison. Vendredi matin, séance d'essai libre 1, nous sommes en piste avec Maxou qui va donc vous présenter ce tracé de l'Albert Park présent depuis la saison 96 en remplacement du circuit d'Adelaide, un circuit urbain sur lequel nous courions précédemment ce Grand Prix d'Australie. Alors, il y a pas mal de nouveautés, on va y revenir bien entendu pour l'heure. Cette séance du vendredi matin a pour but de commencer les programmes de développement des voitures, ce qui sera important pour faire évoluer les différentes monoplaces. Les favoris de cette saison sont bien évidemment les Ferrari qui ont montré un très bon rythme du côté des essais libres de cet hiver. On risque de voir une rivalité avec l'équipe Mercedes portée par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, alors que derrière, eh bien, on retrouvera en embuscade les Red Bull, les Williams qui sont assez performantes en ce début de saison. Williams qui aura donc finalement conservé Felipe Massa qui aura accueilli en son sein Lance Stroll, le pilote canadien. Et chez Force India, deux nouveaux pilotes, le français Esteban Ocon et Maxou. Ce circuit n'a plus aucun secret pour toi, on dirait. Je pense que ça fait une bonne base pour le week-end. Alors que la séance d'essai libre continue ici à Melbourne, nous avons Sébastien Vettel le plus rapide avec les pneus soft. Vous le voyez sur la partie en haut à gauche de votre écran. Vous avez tout d'abord la séance actuellement en cours et surtout le classement avec le chrono du pilote et la composition de pneumatiques qu'il chausse actuellement.
Sur la partie en bas à droite de votre écran, vous avez toutes les informations de télémétrie qui seront utilisées lors de cette saison. Alors vous le savez, évidemment, nous sommes toujours proches des pilotes belges dans nos diffusions. Et cette année ne dérogera pas à la règle après avoir suivi Van Dorn en 2016. Pour 2017, c'est Maxou qui nous accueille et Force India nous a permis de récupérer quelques conversations radio entre le pilote et l'ingénieur. Ce sera évidemment crypté et filtré puisque bien entendu tout ne sera pas diffusable. Mais nous avons quand même cette petite exclusivité, le partenariat avec Force India qui marche bien. Alors évidemment, il y a des Belges en Formule 1. Ils sont deux pour la première fois depuis très longtemps en Formule 1. C'est vrai que les représentants du plat pays n'ont pas été nombreux, mais cette année, la recrudescence de jeunes fonctionne bien après l'intégration de Stoffel Van Dorn cette année. De nouveau, donc, pilote belge cette saison avec, vous le voyez, Maxou qui évolue donc chez Force India cette année aux côtés du français Esteban Ocon. Deux nouveaux pilotes pour cette équipe qui a pondu une voiture formidable au niveau des essais. Ils avaient l'équivalent de la 4 ou 5e meilleure voiture. Ça devra se déterminer évidemment avec le bluff des essais hivernaux. On ne sait pas vraiment comment va s'établir cette hiérarchie. En tout cas, si on veut remonter dans le temps, le dernier Belge à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1, c'était Thierry Boutsen. C'était sur une Williams en 90 au Grand Prix de Hongrie. Donc ça commence à remonter évidemment. Nous avons assisté à une séance intéressante. Les trois meilleurs chronos sont les suivants: Raikkonen, Hamilton et Sébastien Vettel. Nous en avons terminé avec la séance d'essais libres. Nous espérons vous retrouver bientôt. Ah, tu as bien reçu mon message. Parfait. Bienvenue dans notre second foyer. Alors, l'usine nous envoie beaucoup plus de données en temps réel qu'avant. Elles sont toutes accessibles ici. Du coup, je passe plus de temps à consulter les rapports qu'à te débusquer au fin fond de ta chambre d'hôtel. À ce propos... Oh, excuse-moi, attends une seconde. Oui, ici Chris. Je suis occupé, là. C'est important ? D'accord. Je vois. C'est pas vraiment normal, tout ça. Alors, il faut que tu demandes à Sarah de redémarrer la simulation. Ok. Excuse-moi. Comme je te le disais, on t'a installé un bureau, ici. Tu as accès au réseau depuis ton ordinateur, donc essaye de consulter régulièrement l'écran R&D. Histoire qu'on sache comment tu souhaites utiliser les données du week-end et celles des programmes d'entraînement. Donc, comme tu as pu le voir, les nouvelles qui nous viennent de l'usine ne sont pas toujours bonnes. Alors, quand un test échoue, parfois, on est contraint d'attribuer des ressources supplémentaires pour résoudre le problème. C'est la vie, comme on dit. Début de la deuxième séance d'essais libres en ce vendredi après-midi. In this program, we wanted to focus on fuel-saving technique. Lift and coast through corner entry to save as much as you can while keeping under the minimum lap time. Le vendredi après-midi, vous le savez, si vous suivez la Formule 1, est généralement dédié à la préparation de la course. On va donc faire des relais plus importants avec des gommes plus dures et plus de carburant. Si vous voulez voir les chronos tomber, il faudra revenir demain matin, le samedi, pour la troisième et dernière séance d'essais libres qui, elle, sera plus utilisée par les pilotes pour préparer la voiture et l'affûter pour la séance qualificative qui suivra l'après-midi. Nous n'avons pas encore eu le temps de l'évoquer, mais la météo devrait être capricieuse en ce week-end australien. On attend de la pluie demain pour la qualification, ce qui devrait peut-être déjà redistribuer certaines cartes dans le peloton. On va rester attentif à cela. Je le disais tout à l'heure, lors de la première séance d'essais libres, deux nouveaux pilotes belges font leur apparition en Formule 1. Signature d'un an de contrat pour Stoffel Van Dorn au sein de chez McLaren et Maxou qui signe sa première saison chez Force India aux côtés d'Esteban Ocon. C'est la seule équipe à disposer de deux nouveaux pilotes et deux jeunes pilotes issus de la Formule 3 et du GP2 pour les différents pilotes, même si désormais il faut l'appeler Formule 2. On va donc voir si la jeunesse a du bon. Force India qui fait d'énormes paris avec ses pilotes. Reconnaissez bien leurs voitures, elles sont roses et elles risquent cette année de faire le spectacle. Il y a d'autres jeunes évidemment sur la grille. On va vous évoquer évidemment la hiérarchie possible au fur et à mesure des différentes séances. Attention parce que là c'était un petit peu lent la sortie de ce dernier virage. Eh bien ça a l'air d'être réussi pour le pilote belge cette première séance.
our primary target time. Deuxième phase dans la séance d'essais libres 2 pour le pilote belge. L'objectif est cette fois-ci d'aller attaquer un petit peu plus pour voir comment l'on gère les pneus les plus tendres. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas la signalétique des pneumatiques, on va l'évoquer avec vous. Pirelli amène sur chaque week-end de course 7 spécificités de pneus différentes. Vous avez tout d'abord les pneus les plus tendres, appelés ultra soft. C'est ceux actuellement montés sur la voiture de Maxou avec les flancs à bandes mauve-violette. Ensuite, les pneus super tendres à bandes rouges, les pneus tendres à bandes jaunes, les pneus médiums à bandes blanches et les pneus hard à bandes oranges. J'espère que vous suivez, il en reste encore deux. Les pneus intermédiaires sont sculptés en cas de pluie ou piste glissante avec les flancs verts et enfin les pneus que l'on appelle full wet, les pneus extrêmes, on pourrait les appeler ainsi, qui sont eux à flanc bleu. On vous fera un petit récapitulatif sur la grille de départ tout à l'heure pour ne pas tout oublier tout de suite. Dans cette deuxième séance d'essai libre, on va pouvoir constater déjà l'instauration d'une première hiérarchie avec les meilleurs temps réalisés en essai libre 1 par Vettel et par Raikkonen. Les Ferrari sont bien dans le coup dans ce premier round de la saison qui en comptera 20. Je le rappelle, nous perdons le Grand Prix d'Allemagne qui cette année n'ira ni au Hockenheimring ni au Nürburgring. Voilà donc pour les informations concernant le calendrier. Nous aurons évidemment une escale à Spa-Francorchamps pour nos deux pilotes belges que j'espère voir soutenus par un large public. Et on en termine pour Maxou qui se retrouve donc à l'issue de cette séance en 12e position. Les Force India sont un petit peu en retrait dans cette deuxième séance. Vous voyez que de nouveau ce sont les Mercedes et les Ferrari qui sont devant, même si Vettel en super soft est un petit peu derrière. C'est tout à fait normal. On constatera la catastrophe du côté de chez McLaren où il y a d'énormes problèmes de fiabilité. Vous le savez, McLaren depuis 2016 a changé de fournisseur et bien de moteur. C'est désormais Honda qui motorise la structure britannique et ce avec beaucoup de déboires depuis l'instauration du moteur Nippon. On espère quand même voir les deux voitures à l'arrivée dimanche, même si ça risque d'être compliqué. Allez, on poursuit dans cette nouvelle séance avec, vous le voyez, en ce samedi matin, le soleil qui est revenu avec au programme de la troisième séance la gestion un peu plus importante des gommes pour le pilote belge et sa Force India. Et ce sera la dernière séance avant le début des qualifications, format qualificatif que l'on va également vous présenter, vous expliquer dans cette première course. C'est un petit peu la mise en forme de tout ce que vous allez pouvoir suivre tout au long de cette saison. Je rappelle évidemment que vous allez avoir droit à la mise en place d'un système de vote. Vous pourrez vous rendre dans la description de chacune des diffusions pour pouvoir voter pour votre Driver of the Day, le pilote du jour, via un sondage. Celui-ci sera proclamé sur la grille de départ du Grand Prix suivant dans cette saison 2017. Le troisième partiel pour la Force India du pilote belge. Et on ouvre le DRS et on conclut cette séance avec un 1:28.088. Les participants ayant tous franchi la ligne d'arrivée, je vous rappelle le top 3, Bottas, Vettel et Kimi Raikkonen. C'est ainsi que se terminent les essais libres. Espérons que ce week-end nous réserve d'autres surprises. Ah, je vous cherchais. Le patron m'a fait lire la rubrique People ce matin. On dirait que tout le monde en a après votre nouveau rival. Voici les détails. Bien évidemment, vous vous y attendiez, il y a de la rivalité dans cette saison et au sein de l'équipe Force India, ça commence par son propre équipier, on dit toujours cela en Formule 1, le premier pilote à battre, c'est votre propre équipier. Et voici donc les objectifs pour l'équipe, il faudra se placer au 9e rang dans ce premier Grand Prix de la saison. Samedi, c'est donc la qualification qui débute en fin d'après-midi, il est 16h, on a décalé un petit peu les horaires pour que vous puissiez vous lever un petit peu plus tard pour nous suivre, il est 7h du matin en heure européenne, en tout cas à l'heure franco-belge, donc du coup, léger décalage avec nous, le soleil risque de taper à l'horizon, ici on voit Fernando Alonso qui a déjà eu des petits soucis mécaniques, et on ne perd pas une seconde de plus, et donc place à la première séance qualificative de l'année. Les 20 pilotes sont en piste, ils ont 18 minutes, pour pouvoir réaliser le meilleur chrono possible. On retiendra les 15 meilleurs. Vous savez que cet hiver, nous avons perdu la petite structure britannique Manor. La 11e équipe n'est plus là, il y a donc 20 voitures cette saison. Et parmi les 20 voitures, eh bien, les 15 meilleurs accéderont à la Q2. L'ensemble des pilotes vont certainement, par sécurité en tout cas,
procéder à une première séance chaussée de pneus ultra tendres, alors que l'on a la première information qui nous vient de la direction de course. Une pluie faible est attendue sur le circuit dans les 15 prochaines minutes. Alors on vous a dit lors de la séance d'essai libre 1 que ce week-end allait être perturbé par la pluie. Eh bien on n'y manquera pas avec une prévision pour la fin de la Q2, c'est-à-dire dans maintenant à peu près 15-20 minutes, on aura droit à des nuages et ensuite de la pluie. Mais là, on a une indication comme quoi la pluie tomberait dans les 15 prochaines minutes, c'est-à-dire juste à la fin de cette séance, ce qui pourrait peut-être jouer des tours à certains. Je rappelle évidemment que pour l'instant, c'est attaque maximale avec un minimum de carburant dans les voitures. La règle du pare fermé sera bien entendu appliquée sur cette saison, ce qui veut dire qu'une fois la séance terminée, les pilotes ne pourront plus modifier leur setup. 1:26.220, les premiers chronos tombent avec pour l'instant le pilote brésilien qui a rempilé pour un an supplémentaire, Felipe Massa, qui est actuellement en train de signer le premier temps provisoire. Stoffel Van Dorn est également en piste, le pilote belge. Ici, on est avec Maxou qui va faire le meilleur temps provisoire. Good job. Thanks, Jeff. Good job. Is this lap enough to reach Q2 now? We've dropped P2. Et la question de Maxou, évidemment, est-ce que c'est suffisant pour accéder à la Q2? Eh bien, de peu, mon cher ami, 1:26.038 pour le Belge. On a perdu les deux McLaren, les deux Sauber et une Toro Rosso. Carlos Sainz, 16e, avec des problèmes de MGUK. Cette composante mécanique, je rappelle que, évidemment, alors on va faire des points règlement tout au long de ces week-ends, bien entendu, mais les pilotes ont des quantités de power units, d'éléments mécaniques assez spécifiques à louer, donc il faudra être très très prudent sur le choix et l'utilisation de ces composants tout au long de la saison, car ça peut être une pénalité si jamais vous décidez d'en abuser. Light rain expected on track dans les 10 prochaines minutes. Dans 10 minutes, il va pleuvoir dans cette deuxième séance qualificative. L'objectif, on le rappelle, avoué pour l'équipe Force India, c'est de placer ses deux voitures en Q3. ETA is about 15 minutes. Ok, Jess, 15 minutes before the rain. Do we have a chance to reach Q3 with this pace? Ouais, effectivement, on attend de la pluie dans 15 minutes du côté de chez Force India. On n'a pas les mêmes informations météo. Alors là, la possibilité de mettre les deux Force India en Q3, peut-être. Pour l'instant, c'est Max Verstappen, le néerlandais, qui en 1:25.754 est le plus rapide de cette Q2. Ils ne sont plus que 15 à vouloir accéder à la Q3. Magnussen est 3e avec la Haas. Est-ce que les Force India vont pouvoir passer cette Q2? Va-t-on retrouver l'un des pilotes en Q3 pour l'instant? Esteban Ocon est 13e sur cette grille. Pas de chrono pour Maxou. La fin du chrono du pilote belge maintenant. Et sur la ligne, c'est un 1:25.969. Ça le place pour l'instant 2e. Et au final, à l'issue de ces 12 minutes de qualification, eh bien on constatera que c'est la 11e place. Pas de Q3 pour l'instant, mais Esteban Ocon 13e. Donc il a tout de même devancé son équipier. Des informations sur les objectifs de course qui devraient vous intéresser. Évidemment, les objectifs avoués, toujours la 9e place chez Force India. C'est un plaisir de vous retrouver parmi nous, Nicolas Martin. Nous allons vivre un très beau moment sportif. Avec le changement du règlement, on va peut-être assister à un bouleversement qu'on n'avait plus connu depuis 2014. Les monoplaces sont très différentes et, on l'espère, également plus rapides. Vous serez ravis d'apprendre que les équipes ont accumulé ensemble plus de 13 000 km durant la phase de test. La vitesse de ces machines dans les virages est tout simplement incroyable. Quand on y pense, Michael Schumacher détient encore de nombreux records datant de 2004. Mais avec des conditions et des gommes adaptées, il y a peut-être du changement dans l'air. Les pneus et les véhicules sont plus larges, et l'appui aérodynamique est meilleur. Ces monoplaces ont de l'allure, et le spectacle sera sans doute au rendez-vous. Toute la question est de savoir si elles pourront tenir le rythme. Sont-elles compétitives, ou est-ce que le nouveau règlement est allé trop loin? Nous allons à présent étudier la grille de départ. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sebastian Vettel part en pole position. Et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la 2e place. En ce qui concerne le reste de la grille, Raikkonen, Bottas, Max Verstappen et Massa, Ricciardo, Stroll, Grosjean et Daniil Kvyat. Une Force India, Hülkenberg, Esteban Ocon et Magnussen, Palmer, Sainz, Fernando Alonso et Stoffel Van Dorn, Verlaine et pour finir, Marcus Ericsson en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Oui, merci Jean-Paul. On va reprendre évidemment le direct depuis Melbourne avec le tour de formation qui va débuter dans quelques instants ici. Les premiers pilotes s'élancent. C'est parti. Everything looks good on the power unit.
cycle, so let's concentrate on bringing tires and brakes up to temperature. Okay, Jeff, so we have one lap to reach the right temperature on the brakes and the tires. For me, everything looks okay on the dashboard, so yes, bring it on, and we hope the best for the race. Good luck for everyone on the team and also for Esteban. Et vous l'avez entendu lors de la présentation effectuée par nos amis et collègues Jean-Paul Cassard et Nicolas Martin, il y aura donc dans cette première course beaucoup de tension pour savoir si la réglementation n'est pas allée trop loin, et ça commence par la tenue des moteurs. Alors il y a eu des pénalités bien entendu, et là, les deux Sauber ont changé leur MGU-G, ce qui veut dire qu'elles ont pris 10 places de pénalité, une saison qui commence difficilement pour l'équipe Sauber, qui est d'ailleurs en train de négocier un contrat pour l'année prochaine car ils n'ont toujours pas de moteur. On jette un dernier coup d'œil aux bons et aux mauvais élèves de cette grille de départ dans ce premier Grand Prix de la saison. Et la pole position pour Sébastien Vettel qui met donc déjà un premier coup à Lewis Hamilton, son adversaire au championnat du monde. N'oublions pas ni Raikkonen ni Valtteri Bottas qui ont bien évidemment tout autant leur chance de victoire aujourd'hui. Derrière, ça risque d'être un peu plus compliqué, quoique une voiture outsider telle une Red Bull pourrait se hisser sur le podium. Derrière, on retrouve la 6e place de Massa, la 8e de Lance Stroll, le pilote canadien pour son premier Grand Prix avec Williams. C'est bien débrouillé face à son vétéran de coéquipier. Derrière, on retrouve la 16e place de Sainz. Et ensuite, la catastrophe pour l'équipe McLaren Honda qui a subi beaucoup de problèmes en qualification, peu de tours et finalement, on retrouvera Stoffel Vandoorne en 18e derrière Alonso. Alonso qui va, à mon avis, souffrir dans cette saison. Vous le voyez grâce à nos incrustations sur les graphiques en bas à droite, la température doit être bien augmentée avant de revenir se placer sur la grille, spécifiquement pour les premiers pilotes, puisque le délai avant que le reste de la grille ne vienne se replacer est assez important, et donc les pneus et les freins peuvent perdre en température. Vettel est déjà placé sur sa grille de départ. Okay, Jeff, I have some difficulties to reach the correct temperature on the rear brakes and the rear tires, so we have to hurry up to make the grid form, so yeah, that's gonna be tough on the first corner. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. La grille est formée ici à Melbourne. La direction de course vient de lancer la procédure. Les 5 feux s'éteignent. C'est parti pour cette saison 2017 de Formule 1 avec un très bon envol de Lewis Hamilton et de Kimi Raikkonen à l'extérieur avec la Ferrari qui va peut-être mettre tout le monde d'accord côte à côte. Vettel et Hamilton, ils sortent de la première chicane. Nous n'avons perdu aucune voiture. Avantage à Lewis Hamilton qui prend la tête de ce Grand Prix de Melbourne après seulement 2 virages. Les deux Ferrari se retrouvent en sandwich avec derrière Valtteri Bottas qui devance la voiture de, Daniel Ricciardo qui a pris un excellent envol. Derrière, ça a été un peu plus compliqué, on a vu quelques contacts. On est avec Maxou, le pilote belge, pour son premier départ. Il est 10e devant Daniil Gviat. Juste sous son nez devant, c'est Lance Stroll qui se bat avec, la Haas de Kevin Magnussen. Et donc, on a Hamilton en tête devant Vettel, Raikkonen et Bottas. Ces quatre-là vont sans doute déjà essayer de filer. On voit les Red Bull, les Williams qui tentent de suivre un petit peu la lutte. Attention, l'attaque de Bottas à l'intérieur peut-être. Est-ce que le Finlandais peut compléter le dépassement dans ce secteur rapide, le virage 14 et 15? Et non, ça ne passe pas. On est en caméra embarquée avec le Finlandais. Duel incroyable entre eux, les deux Finlandais de ce peloton. Et Bottas à l'extérieur qui ne lâche pas, mais Raikkonen est toujours devant. Il perd beaucoup de temps face à Vettel et à Lewis Hamilton, désormais leader de ce Grand Prix. Et Bottas qui passe, non, Raikkonen résiste. Et on vit ça avec le spectateur privilégié de cette lutte, Max Verstappen, le Néerlandais, 5e donc. Ce n'est pas Daniel Ricciardo, c'était bien Max Verstappen qui était derrière. Raikkonen qui n'en a pas terminé avec Bottas. Et ils entament ce deuxième tour de course côte à côte. Ah, c'est parti sur les chapeaux de roue entre les Mercedes et les Ferrari, on s'y attendait. Et là, la bagarre est belle. Retour dans le peloton avec Maxou qui est pour l'instant 10e. Les points pour l'une des deux Force India. Alors qu'Esteban Ocon est un petit peu plus loin. Il a raté son départ, le pilote français, il était 13e. Il est 14e pour le moment. La lutte avec Lance Stroll. Attention, la pression pour les jeunes loups. Il y a du monde. L'attaque est très très bonne de Maxou peut-être sur le Canadien au freinage. Et Stroll qui bloque ses roues et qui tire tout droit. Ah, première erreur dans ce Grand Prix. Attention, le retour en piste et le contact avec l'une des As. C'est, je crois, Kevin Magnussen qui est allé se faire percuter par un retour en piste de Lance Stroll. Attention, il y a sans doute des débris sur le circuit.
Eh bien, le premier accrochage ne s'est pas fait attendre dans cette saison et il implique une Haas et une Williams. Je vois des commissaires sur nos écrans de contrôle en train de courir pour aller chercher les débris. Visiblement, ça a l'air d'être corrigé. On va revoir ce qui s'est passé avec Kevin Magnussen qui ne pouvait absolument pas éviter l'accrochage avec Lance Stroll qui lui a tout simplement coupé la trajectoire. Retour aux images du direct avec la bagarre pour la 11e position. Le peloton est désormais bien scindé en deux avec 10 voitures et puis le reste. Et un Kevin Magnussen qui est en train de bouchonner Lance Stroll. Et on voit derrière Nico Hülkenberg avec la Renault. Esteban Ocon, Palmer, la Toro Rosso, je crois. Derrière, oui, ça doit être Carlos Sainz. Les deux voitures impliquées dans l'accrochage qui rentrent, évidemment. Va-t-on assister à un changement de stratégie? 80 km/h, c'est la vitesse limitée dans cette pit lane. On va suivre l'arrêt au box et sans doute le changement de museau du côté de la Haas de Kevin Magnussen. Voilà, on a préparé un nouveau museau et on chausse des pneus super tendres sur la monoplace américaine. Allez, voilà, on repart, feu vert. Et c'est reparti, c'est déjà reparti pour la voiture de Lance Stroll. On revoit le départ de ce premier Grand Prix depuis le Poleman, Sébastien Vettel et son arceau. Vous avez vu, ouais, on est allé quasiment au contact avec Hamilton. Et Hamilton qui finalement a pris le meilleur sur le pilote allemand. Lance Stroll avant son accrochage, lui il partait bien. 8e place sur la grille pour le Canadien, juste derrière son équipier. Et l'entrée dans le premier S qui s'est vue assez chaude avec la Haas qui se porte à sa hauteur. Et ouais, les deux Williams qui étaient côte à côte. Là, c'était assez chaud. Le départ depuis le fond de grille avec Fernando Alonso maintenant, l'Espagnol. Un départ compliqué pour Fernando qui est allé se faire toucher par Carlos Sainz. Également piégé en qualification, 16e sur la grille. Les deux Espagnols partis du fond de la grille. Avec le pilote belge, Maxou maintenant. On revoit le départ depuis l'arceau de la Force India. Bien distinct avec ce haut de casque noir par rapport à la voiture d'Esteban Ocon qui a un casque 100% rose. Les couleurs belges, évidemment, bien mises en valeur par les différents pilotes du plat pays. Allez, retour sur le direct de nouveau avec toujours la Force India. Et vous constatez en bas à droite l'état de l'usure des pneumatiques. Alors Pirelli avait amené évidemment des pneus ultra tendres, super tendres et tendres pour la course. On va voir qui va oser ne faire qu'un arrêt. La stratégie idéale serait deux arrêts pour ceux qui sont partis en ultra tendre. Mais certains ont fait le choix, comme par exemple Maxou. On voit d'autres pilotes ici, Vettel, il y a également Alonso, de partir avec des pneus super tendres et ainsi ne faire qu'un arrêt en chaussant les pneus tendres après un tiers de course. Grosse frayeur là à la relance pour le pilote belge, alors que devant, Vettel est désormais sous la pression de Valtteri Bottas, puisque Hamilton a pris le commandement du Grand Prix. On a donc Hamilton, Vettel, Bottas, Raikkonen pour le moment. Allez, retour sur l'arceau du Finlandais à la chasse de la Ferrari. Énormément d'étincelles, vous le savez, avec le poids de l'essence et cette nouvelle réglementation. Eh bien, les circuits un peu bosselés nous donnent des gerbes d'étincelles absolument superbes. Et cette lutte pour la deuxième position. Et c'est l'année ou jamais pour Sébastien Vettel qui doit absolument aller gagner avec Ferrari. Oui, on est tard sur les freins pour eux, ouais. Et ce sont deux roues mises dans l'herbe par la Force India. No rain expected. No rain expected for the time being. Yes, Jeff, I know, but there is a lot of wind on the back straight of the circuit, so we have to be careful with the changing weather, and the tires are losing some temperature on the straight. So please be attentive at this particular specification for the rest of the stint. Et oui, on demande à l'ingénieur du côté de Maxou eh bien, d'être prudent sur le vent et éventuellement autre chose. Qu'est-ce qui se passe là? Attention avec Magnussen. Oh, Magnussen qui a un problème et qui s'arrête. Attention, le pilote danois qui stoppe sa voiture en bord de piste. Sans doute un souci moteur. Et oui, casse moteur sur la Haas. Eh bien, le premier moteur à avoir rendu l'âme cette saison sera le bloc Ferrari.
de la monoplace américaine. Pour revenir à ce qui s'est passé du côté de Maxwell à la radio, on disait de surveiller les nuages parce qu'il n'y a pas de risque de pluie, mais ils sont nombreux dans le ciel. Retour au direct de nouveau. Va-t-on avoir droit à une procédure de voiture de sécurité virtuelle ? Drapeau jaune toujours dans ce secteur, au poste numéro 11, je crois. Drapeau jaune. Et vous connaissez la règle du yellow flag. En chronométrant dans le partiel, vous ne devez pas améliorer votre chrono sous peine d'être pénalisé par la direction de course. Et croyez-moi, Charlie Whiting veille au grain pour ce genre de choses. Alors que pour l'instant, on a une belle performance de la part des As avec Romain Grosjean, joli 8e. Malheureusement, la fiabilité n'est pas au rendez-vous avec le premier abandon de cette saison à mettre au titre de la As donc de Magnussen. Retour avec les Force India. Cette fois-ci, c'est le Français Esteban Ocon qui est en 12e place. Il est en lutte avec l'une des Renault, peut-être là où il roulera dans le futur. On sait la volonté de Cyril Abiteboul de replacer plus de talents français au sein de la marque au losange. L'attaque sur l'extérieur de Nico Hülkenberg. Est-ce que l'Allemand peut résister à cette attaque? Les voitures sont plus larges. Les voitures sont plus larges que ce qu'elles n'étaient en 2016. Ça résiste et beaucoup d'audace de la part du jeune français. Et Force India qui a dit faire confiance au jeune loup pour l'instant. Ça a l'air de bien payer. Avec la lutte avec les Renault et la Toro Rosso. Juste derrière, l'attaque d'Esteban qui déboîte grâce au DRS. On est avec Julian Palmer, le Britannique, qui va peut-être aussi en profiter. Palmer qui doit confirmer sa bonne forme. L'ouverture du DRS, et Hülkenberg ne l'a pas. Et il va se faire attaquer par son propre équipier dans le troisième virage de ce circuit. Est-ce que Palmer peut compléter le dépassement sur Hülkenberg? Et là, on en connaît sur le banc de touche de chez Renault qui doit avoir des sueurs froides. On pense à Frédéric Vasseur notamment. Et attention, c'était chaud, c'était très très chaud. Daniel Gviat ici, pour l'instant un point pour l'équipe Toro Rosso, la petite structure italienne de Faenz qui souffre beaucoup. On attendait d'ailleurs peut-être un remplacement de Daniel Gviat cette saison par le français Pierre Gasly, peut-être pour 2018. On va suivre évidemment la filière des jeunes et le renouvellement de cette grille de départ qui va sans doute évoluer dans les prochaines années. Pour cette saison 2017, il y a beaucoup de nouveaux talents. On pense à Lance Stroll, Maxou ici chez Force India, Esteban Ocon, Stoffel Vandoorne. Il y a quelques nouvelles têtes. Et le 7e tour de ce Grand Prix d'Australie qui est désormais bouclé. On va peut-être revenir un peu sur la tête de course, ce serait intéressant. Et bien voilà, écoutez, la réalisation qui nous écoute, c'est parfait. Avec évidemment la 4e place et la lutte pour le podium, et tout cela permet tout doucement quand même à Lewis Hamilton de prendre un certain confort avec des secondes d'avance sur Vettel. Alors pour l'instant, évidemment, on a un parfait sandwich italo-allemand. Allez, nouveau tour couvert sous le commandement de Lewis Hamilton. Alors que les premiers arrêts au stand sont observés dans la pit lane, on a vu rentrer, je crois, l'une des Williams qui était là-bas devant. On est en caméra embarquée avec Valtteri Bottas. Vettel qui parvient à s'échapper petit à petit, même si la Bottas dispose du DRS. Alors qu'ici, c'est rentré au box puisque Romain Grosjean avait le DRS et il n'a pourtant personne devant lui. Deuxième déclenchement, et oui, là ça va être compliqué pour Maxou d'aller chercher peut-être le pilote français. Pourquoi pas sur les freins? Non, on est très prudent chez Force India. Alors le DRS, qu'est-ce que c'est? Si vous n'êtes pas familier avec les technologies de la Formule 1, eh bien ça s'appelle en anglais Drag Reduction System. C'est un petit flap, un clapet qui est activé par le pilote. Attention parce que là on a Maxou de roue dans l'herbe pour aller chercher peut-être la position de Romain Grosjean sur les freins. Je reviens à ma petite explication du DRS dans un instant, mais là, ça chauffe en piste. Regardez, parfaitement dans l'aspiration de la Haas. Il fait les freins à l'intérieur et ça passe. Sixième position pour la Force India. Ah, ça remonte, ça remonte. Ah, la stratégie à un arrêt qui va peut-être être payante du côté des monoplaces de Vijay Mallya.
avec Romain Grosjean qui lui par contre avec ses ultra soft est sur une stratégie à deux stops. On revient donc sur l'explication, donc le DRS est activé par le pilote lorsque celui-ci est à moins d'une seconde du pilote qui le précède à un endroit précis sur le circuit de zone de déclenchement, et ensuite pendant toute la ligne droite qui suit, eh bien vous avez une réduction de l'appui aérodynamique, donc vous allez plus loin et vous pouvez dépasser. C'est instauré en Formule 1depuis plusieurs années. La refonte de la réglementation en 2009 avait créé ces nouveaux ailerons arrière, hein, plus haut et moins large, et le résultat de tout ça avait été l'instauration du DRS plus tard, dans la volonté toujours d'augmenter les dépassements en piste. Ici, nous retrouvons en image Felipe Massa qui rentre au box, le pilote brésilien donc, qui était retraité il y a encore quelques semaines de cela et qui chausse des pneus rouges, c'est-à-dire des pneus super tendres. Il y aura donc encore un arrêt chez Williams du côté de chez Force India. On continue avec ici toujours Maxou, quatrième pour le moment, alors que Vettel est en tête, puisque Lewis Hamilton vient d'observer son arrêt au stand. Ce n'est pas le seul, la preuve avec l'arrêt de Pascal Wehrlein, qui lui avait fait la bonne opération en déplaçant son avenir, son contrat de chez Manor à chez Sauber. Sauber qui est équipé donc du moteur Ferrari de l'année dernière, ce qui explique leur perte de performance. Assez difficile pour les Sauber puisqu'elles avaient déjà pris près de 25 secondes de retard avec les McLaren. Ce sont les voitures les moins performantes. Et Sébastien Vettel, leader de ce Grand Prix, devant son équipier Kimi Raikkonen, avec qui nous étions brièvement en caméra embarquée. Jeff, I have a red light alert on my steering wheel. Could you tell me more about that? Your DRS is offline. The rear wing is down, so you can stay out while we work on a fix. Okay, Jeff, copy. We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Okay, soft tires on the next stop. Could you check for the rear wing at the stop, please? Et attention, il y a un souci sur la voiture de Maxou. Le DRS est resté bloqué. On ne peut plus l'activer. Problème de DRS sur la Force India. Peut-être résoudre rapidement ce problème. Pour l'instant, ça n'est pas trop grave. On a vu l'arrêt de la Red Bull de Daniel Ricciardo. Ici, on est avec la bataille pour la quatrième position avec Romain Grosjean sur une stratégie différente de Lewis Hamilton qui lui a déjà ravitaillé à chausser des pneus super tendres plus frais. Oui, juste derrière Maxou qui était au premier plan. Derrière, on voit aussi la Toro Rosso en train de se battre avec la deuxième Mercedes, celle de Valtteri Bottas qui tente de perdre le moins de temps possible. Est-ce que les Ferrari ont joué le coup parfait en ne rentrant pas tout de suite pour ne pas être gênés par le trafic? Attention parce que ça commence à bloquer les roues. Du côté du pilote belge, je rappelle que le cap de la mi-course est au 14e tour et que les pneus chaussés pour l'instant par certains ont déjà de belles heures derrière eux. L'arrêt au box pour le Français Romain Grosjean et la dernière as en course depuis l'abandon de Kevin Magnussen. Et on vit ça depuis l'arceau. Très bon arrêt du côté de l'équipe américaine. Retour sur l'arceau de la voiture du pilote belge. Et la stratégie est similaire du côté de chez Force India, eh bien on pourrait espérer voir Esteban Ocon également rentrer dans les points, alors qu'on est de nouveau sorti très très large. Et derrière, Hamilton n'en demandait pas plus pour faire la jonction. Et le Britannique qui est en train de voler hein, pour l'instant sur ce circuit. Il est avec son équipier Valtteri Bottas le plus rapide. Il tourne pour l'instant 3 à 5 dixièmes plus rapidement que les deux Ferrari, dont d'ailleurs l'une des deux a déjà stoppé, puisque là on est en lutte pour la deuxième position avec un Hamilton très incisif et devant Maxou qui joue sa course, hein, il a sa stratégie. C'est à Hamilton d'aller chercher le jeune pilote belge. Je pense que ce sera une formalité hein, pour le champion du monde. Attention, il y aurait un souci pour Fernando Alonso. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok Jeff, safety car, we have to pit now, pit this lap, confirm, pit this lap, quick. Understood, stopping this lap. Ok, coming now in the pit straight. On a une Toro Rosso qui est arrêtée au secteur 17. L'arrêt au stand donc pour la Force India de Maxou qui va donc faire son seul arrêt, chausser les pneus soft, c'est pas mal. C'est pas mal, on a perdu du temps là à la relance. C'était pas tip top
au niveau de la relance. Voilà, voiture arrêtée au poste numéro 9. C'est le même poste que tout à l'heure, donc où s'était arrêté Kevin Magnussen lors de sa casse moteur. Attention, on a du mal de repartir du côté de Maxou. Et on va revoir ce qui s'est passé pour Alonso. Sans doute un souci de transmission sur la McLaren Honda. Et bien, premier Grand Prix déjà oublié pour le champion du monde espagnol. Oui, ça semble être un souci de transmission. La voiture qui se coupe net, mais on entend le moteur tourner, donc ça n'est pas un souci thermique. Peut-être un problème de chaîne ou de boîte de vitesse. En tout cas, eh bien, le deuxième abandon de la saison, il est à mettre au titre de la McLaren de Fernando Alonso. Ici, on est dans la bagarre avec les deux Renault Palmer devant Hülkenberg. Et ici, c'est Felipe Massa en caméra embarquée. Eh bien, on a déjà perdu deux pilotes à même la mi-course. On s'attendait à pire, hein, on va pas vous mentir, dans cette nouvelle réglementation. Massa peut-être pour aller chercher... Hop, à l'extérieur, Hülkenberg qui ferme la porte, évidemment. Impossible d'aller mettre une deuxième voiture de front dans ce virage 14. On voit Esteban Ocon au premier plan. Et ici, la bagarre qui pourrait être favorable à la Red Bull derrière, qui revient aussi très très fort. Et là, on a un train d'enfer dans cette deuxième moitié de peloton. Toujours mené par Palmer. Je pense qu'il y a des pilotes qui vont devoir rentrer là au niveau de la stratégie dans les prochaines secondes. Je crois qu'il y a une Toro Rosso. On est prêt chez Toro Rosso. On sort le matériel devant nous. Ce sera sans doute pour la Toro Rosso qui est derrière, là-bas, voilà exactement. Et nouveau tour couvert pour tout le monde. Ça y est, on sort chez Toro Rosso pour l'arrêt. On est de nouveau de retour avec Maxou. 12e place au cap de la mi-course, l'arrêt de la Toro Rosso de Carlos Sainz Jr. L'Espagnol qui chausse des pneus soft, il va donc aller également au bout. Une stratégie assez agressive, un seul arrêt. Et ça repart pour la petite machine italienne. Alors, retour dans le feu de l'action avec Maxou qui est aux prises avec Romain Grosjean. Et devant, on voit toujours eh bien, les Renault qui défendent corps et âme leur position. Ah ouais, parce que là, les deux Renault dans les points, ça va être difficile à conserver étant donné qu'il y a encore un arrêt à effectuer pour les deux monoplaces françaises de Frédéric Vasseur et de Cyril Abitboul. Oh, attention, c'est lancé de très très loin cette attaque. Je pense plus que c'était un freinage raté, mais il croise. Belle déstabilisation de la part du pilote belge, côte à côte avec la monoplace du français Romain Grosjean à l'extérieur. Est-ce que ça peut passer pour le gain de la 11e place? Oui, c'est fait, bravo. Joli dépassement alors que Lewis Hamilton s'empare en 1:27.406 du record du tour. On s'est loupé devant pour Julian Palmer qui va faire perdre du temps à tout le monde derrière. Ricardo va profiter peut-être de cette opportunité pour trouver l'ouverture sur Nico Hülkenberg. Attention, double blocage de roue pour Maxou. Et c'est l'arrêt au box pour Esteban Ocon qui va ressortir derrière ce petit train-train. On informe d'ailleurs Maxou et vous voyez en insert l'arrêt du côté de chez Force India et l'attaque de la... Oh, et double attaque, magnifique, c'est passé. Oh, quelle attaque incroyable du pilote belge qui se permet de souffler deux voitures au bout de la ligne droite sans toucher personne et ainsi de rentrer dans les objectifs menés par l'équipe. Et bien voilà, et bien pour l'instant cette attaque incisive est sans doute le plus beau dépassement de la saison. Hop, 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 c'est large, c'est très large dans l'herbe pour la Force India. On se ressaisit parce que là, il s'est passé beaucoup de choses. Et Ricardo qui était bloqué et derrière Hülkenberg qui pensait trouver l'ouverture. Eh bien, c'est finalement retrouvé, soufflé par le pilote belge. Bien joué. Alors que derrière, nous avons une lutte incroyable au centième de seconde près sur la ligne entre les deux Sauber. Mais elles sont tellement loin. Ça fait presque de la peine à voir avec Daniel Ricciardo, donc toujours à la chasse. Hein. Il est dans les points, il est dixième pour l'instant, le pilote de la Red Bull numéro 3. Regardez les turbulences subies, les petits zigzags, c'est les turbulences de l'air qui donnent ses à-coups dans le volant. Alors même si on sait que Melbourne est un circuit plutôt bosselé depuis le temps où il est utilisé, c'est assez impressionnant ici parfois de voir comment les volants peuvent vibrer à l'aspiration. So please tell me why Esteban is so far back behind, because I have almost the same race pace as him, so is he encountering some problem with the car? The gap to teammate is 16.4 seconds.
16 secondes 4 d'avance entre Maxou et Esteban Ocon. Derrière, Maxou commence à souffrir d'ailleurs avec ses pneumatiques et la route est encore longue. Et à la radio, on entendait Maxou qui disait « Que se passe-t-il pour Esteban? Pourquoi est-il autant en retrait? Y a-t-il un souci? Dites-moi si je peux peut-être voir la même chose chez moi pour peut-être préserver d'un souci mécanique. » On sait que les évolutions sont actuellement bien les mêmes pour tout le monde. L'avantage certain de cette voiture est bien entendu son bloc Mercedes et sa vitesse de pointe qui est sans doute le talon d'Achille des moteurs Honda et certains châssis équipé du moteur Renault. Alors vous voyez en bas à droite un petit insert pour vous inviter à vous rendre dans la description sous ce direct qui vous permet de voter pour votre driver of the day, le pilote du jour qui sera bien évidemment connu à la fin du Grand Prix. On va tout à fait le mentionner. Vous pourrez voter et le gagnant sera présenté officiellement lors du départ de la course suivante, le deuxième rendez-vous qui sera donc en Chine à Shanghai. Et si vous voulez mon avis, les prévisions météo que l'on a reçues pour le moment sont assez peu encourageantes. Allez, attention, nouvelle sortie très très large pour Maxou avec la Force India, ce Grand Prix qui continue. Il reste 13 boucles dans cette épreuve avec, vous le voyez, l'arrêt de Nico Hülkenberg qui était chaussé de pneus soft sur sa Renault et qui va venir chercher un train de pneus super tendres pour compléter cette stratégie à 3 arrêts. Il était parti en ultra tendre, le pilote allemand, et c'est parti avec cette lumière qui est placée au-dessus du pilote qui remplace le Lollipop Man, cet élément qui a disparu au fur et à mesure des années. Et ça s'annonce sous de bonnes augures pour l'instant avec attention derrière Ricciardo qui pourrait revenir sur le pilote belge. La mise à jour des tableaux des écarts avec la voiture de Maxou qui revient fortement sur la Renault. Et là, c'est un peu loupé du côté du pilote belge. Et oui, tout est loin d'être parfait. Et l'arrêt au stand, ça plonge pour Julian Palmer. Après Nico Hülkenberg, il y a deux tours de cela, l'arrêt du pilote britannique. Et ça permet à la Force India de monter désormais au 7ème rang à la régulière. Et retour sur la tête de course avec, vous le voyez, Sébastien Vettel, 3ème de ce Grand Prix. Chassant l'une des Mercedes. Oh, ce fut très bref. Pour la 7ème place pour le pilote belge. Alors si on regarde un peu les stratégies, ça devrait peut-être encore ravitailler pour Felipe Massa. Alors que pour l'heure, effectivement, les deux Ferrari sont en train de se faire malmener par les Mercedes. Mais on voit que avec les pneus soft, Vettel a l'air d'être plus à son affaire. Il est pourtant logiquement une demi-seconde, en tout cas 4 dixièmes théoriquement moins vite avec ses pneus. Mais le décalage d'usure, la température peut-être, les réglages font qu'il est plus à l'aise que et la voiture devant lui. Attention à Lance Stroll qui sort des boxes, là qui va se faire prendre un tour. Grand Prix difficile pour le Canadien. Première épreuve en Formule 1 et premier accrochage avec Kevin Magnussen qui depuis a dû abandonner. Drapeau bleu évidemment. Est-ce que Vettel va pouvoir trouver l'ouverture dans le deuxième partiel, pourtant un peu plus favorable au Ferrari dont l'appui est plus important, en tout cas mieux réalisé que celui de la Mercedes qui elle est plus performant dans les lignes droites avec son bloc qui est pour l'instant le meilleur des quatre blocs du plateau. Ça s'écarte au drapeau bleu. Ouais, Lance Stroll qui ne laisse pas passer les deux voitures. Ah, il y aura peut-être une réprimande sur la tête du Canadien parce qu'il a laissé passer Hamilton mais pas Vettel. Oh là 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 là, ça doit bouillir dans le casque du champion du monde allemand. Eh, blue flags évidemment un peu partout, ça y est. Stroll qui s'écarte et Vettel qui est passé, mais il a perdu beaucoup de temps Vettel. Alors qu'ici c'est très très chaud avec Daniel Ricciardo qui va peut-être s'emparer d'une position face à la voiture du pilote belge. Et Maxou ne peut rien faire face aux pneus super tendres de la Red Bull et de son moteur Renault rebadgé Tag Heuer. Et bien voilà, nous y sommes avec la
désormais 8ème position. Mais je crois que Felipe Massa doit encore observer un arrêt au stand avec la Williams. Mais là, Ricciardo est passé. Regardez la différence de performance entre les deux voitures. C'est impressionnant. Et nouveau tour couvert ici à Melbourne. Dans ce premier Grand Prix qui pour l'instant a vu donc deux pilotes raccrocher les gants avant l'abaissement du drapeau à damier. Tout d'abord, l'abandon de Kevin Magnussen sur sans doute casse moteur et ensuite celui de Fernando Alonso sur la McLaren avec sans doute un problème de transmission. Je me suis laissé dire d'ailleurs que du côté de chez McLaren, la première évolution ne viendrait pas avant l'Autriche en ce qui concerne l'équipement, le groupe propulseur en tout cas, thermique. C'est assez, assez hallucinant quand on sait que des voitures vont déjà être totalement différentes du côté de Shanghai. On a été très gourmand du côté des track limits avec la Force India. Bon, ce n'est qu'une fois évidemment, mais attention à ne pas répéter trop ce genre de manœuvre. La direction de course veille bien entendu au grain. Nous avons d'ailleurs un écran dans notre cabine ici qui est entièrement dédié aux pénalités, en tout cas aux informations de la direction de course. L'arrêt au stand pour Daniel Ricciardo qui avec ses super softs usés était quand même plus rapide. Et il va donc se retrouver derrière. Ça offre la 7ème position à la Force India. Les deux Sauber avec ici Pascal Wehrlein qui est devant son diable de coéquipier suédois Marcus Ericsson. Alors ces deux-là s'expliquaient déjà à l'époque du GP2. Et là on a atteint tout autre niveau. Alors qu'en tête, la lutte est également en train de battre son plein. On voit Stoffel Van Dorn, l'autre Belge au premier rang avec Lewis Hamilton qui tout à l'heure avait gagné du temps en doublant la Williams de Lance Stroll au drapeau bleu. Bien regardez ici les derrière Van Dorn qui n'a pas pu pour l'instant s'écarter et donc Vettel a refait la jonction. Le pilote allemand n'a peut-être pas dit son dernier mot puisque voilà, alerte chez Mercedes, arrêt au box, alors que là nous avons une Renault qui est arrêtée, c'est je crois Nico Hülkenberg, voiture arrêtée au poste numéro 11 et voiture de sécurité virtuelle déployée. Jeff, please tell me, where is the stopped car? Where is the stopped car? Is there some oil on the track? Please give me some information. Maxou qui s'interroge à la radio sur ce qui s'est passé. Okay, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Virtual safety car is ending. Maintain your pace until the green flag. VSC ending. Wait for green. Allez, fin de la procédure de virtual safety car. Alors, si vous ne connaissez pas la virtual safety car, c'est une manière alternative, alors que là, voilà, on revoit ce qui s'est passé pour Hülkenberg, qui est allé donc abandonner là, dans le deuxième secteur. Il a pu quand même couper sa boîte de vitesse. Ça semble pas être un problème de transmission. Peut-être ailleurs, hydraulique, peut-être pour la Renault. Ok, Jeff, copy, 21 seconds. Impossible to catch Verstappen now, so we have to wait to the end and see if we can just keep Grosjean behind, but it's gonna be difficult with these tires. I'm struggling on the brakes and on the corner exit with the rear tires. Je souffre sur les freins et la sortie des virages ne plaît pas à mes pneus arrière. Voilà le message passé par Maxou à la radio. Et cette Force India qui, si elle va au bout, pourrait permettre au pilote belge de marquer des points. Alors le dernier pilote belge à avoir marqué des points, c'était en 2016. Rappelez-vous, Stoffel Van Dorn était alors en remplacement d'un Fernando Alonso blessé suite à un souci de santé. Il avait été remplacé par Van Dorn au pied levé à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn. Le jeune courtraisien avait ramené la 10ème position et le point qui allait avec. Donc c'est lui qui a ramené le dernier point d'un Belge en Formule 1. Si on remonte au Belge précédent, il y avait Jérôme D'Ambrosio évidemment, qui n'en a jamais marqué avec la Virgin, la Marussia Virgin. Et derrière,
Il faut remonter loin dans le temps avec Bass Lenders. C'était sur une Minardi en essai libre en 2004. Et puis, eh bien, il y avait tous les autres. Philippe Adams, Bertrand Gachot et Thierry Boutsen. Dernier vainqueur belge en Formule 1. On a failli avoir un belge champion du monde. C'était en 1970 avec Jacques Hicks sur une Ferrari qui finalement... Eh bien, avait perdu le titre face à Jürgen Rindt, qui d'ailleurs avait perdu la vie lors d'un terrible accident aux essais du Grand Prix de Monza dans la parabolique, qui d'ailleurs était la seule année où le titre avait été attribué à un pilote de manière posthume. Voilà pour le petit point, alors que l'on est dans les dernières boucles de ce Grand Prix. Valtteri Bottas se permet de souffler tout le monde avec un 1.26.2, le meilleur tour pour le Finlandais, alors que l'on a tout doucement l'envie peut-être de revenir derrière, puisque si je regarde eh bien, mes écrans, je constate que la voiture la plus rapide pour le moment, c'est bel et bien donc celle de Valtteri Bottas, mais aussi deux autres voitures. Il y a la... Attention à l'erreur pour Maxou qui est allé réaccélérer sur l'herbe. Ah, la fatigue peut-être, en tout cas l'usure des pneumatiques. Ah, ça n'est pas fait, cette septième position peut-être, si... Grosjean repasse à 6 dixièmes pour Grosjean, donc ça va. Du temps de perdu, mais pas de place pour le Belge. Ouais, c'est chaud entre ces deux-là. Grosjean qui a bien besoin de récupérer d'ailleurs des points pour Haas après l'abandon de Magnussen. Ce serait beau de voir le Français dans les points dès le premier Grand Prix de la saison. On rappelle évidemment que vous pouvez voter pour votre Driver of the Day. Le Driver of the Day qui sera d'ailleurs proclamé lors du départ du prochain Grand Prix. Vous pourrez voter en dessous de ce direct, bien évidemment. Et je rappelle évidemment que pour le podium et l'arrivée, nous repasserons la main des commentaires à Jean-Paul Cassard et Nicolas Martin qui vont décortiquer ce premier Grand Prix de la saison. Qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Les déceptions sont là pour celles qui étaient attendues. Et les bonnes surprises sont également présentes en la personne notamment de cette Force India. Alors je disais tout à l'heure qu'il y avait deux pilotes qui étaient les plus rapides. C'était une Williams, celle de Felipe Massa et je crois la Red Bull de Daniel Ricciardo. Oui, voilà, ce sont les deux pilotes qui pour l'instant tournent le plus vite en piste. Et ça pourrait avoir son importance sur le résultat final de la course. Informe, Maxou qu'il y aura 5 litres de carburant dans cette voiture. Attention, drapeau bleu avec ici Marcus Ericsson qui s'écarte de manière un petit peu bizarre pour laisser passer Max Verstappen qui est pour l'instant solide, hein, 5e de cette course derrière les deux Ferrari et les deux Mercedes. Et Romain Grosjean qui n'arrive pas à faire la jonction. Retour en tête avec Sébastien Vettel qui est donc désormais leader depuis l'arrêt au stand de Bottas et de Lewis Hamilton. Et nous retrouvons les deux Ferrari en tête. Les deux Ferrari en tête. Alors un doublé Ferrari, ça n'était plus arrivé depuis assez longtemps. Et là, ce serait déjà un très joli avantage placé par la structure de Maranello face au monoplace de Brackley. Toto Wolff va devoir surveiller ça avec attention s'il ne veut pas déjà perdre des plumes au classement constructeur. Il reste 5 tours dans ce Grand Prix. On a entamé les 4 derniers pour les leaders. Derrière, c'est un peu plus long et un peu plus compliqué. On est ici avec Maxou qui va se faire attaquer à l'extérieur par la voiture de Romain Grosjean, le Français qui tourne autour véritablement du pilote belge. Et Maxou qui n'a d'autre choix que de laisser l'extérieur à la Haas. 2 roues dans le gravier. Ça ramène d'ailleurs un petit peu de gravillon sur la piste. C'est chaud, c'est très très chaud. Alors que là, on a une Toro Rosso derrière qui est également en train de revenir. Et la fameuse Williams de Felipe Massa qui, je vous le disais, est la plus rapide en ce moment sur le circuit. Elle est en train de fondre sur ces 3 pilotes. Et ça ne m'étonnerait pas qu'avant la fin de la course, il y ait une ou l'autre position gagnée de la part du Brésilien. 17 voitures encore en course dans ce Grand Prix. 3 abandons pour le moment. Et 3 moteurs différents qui ont cassé. Ça n'est pas une hécatombe comme escompté. 7ème place pour Romain Grosjean à l'affût de la moindre erreur de Maxou. Et la pression est forte pour ce premier Grand Prix avec peut-être des points à la clé histoire de bien entamer cette saison. Il fallait beaucoup dans l'herbe dans ce droit. Il doit sans doute y avoir une raison à cette
cet écart. Et regardez dans les rétroviseurs de Romain Grosjean, et vous le verrez ici, la jonction est faite par la Williams. Et la Williams qui est revenue. Ça va être compliqué, je crois, de résister derrière pour la Toro Rosso. Et la Williams est certes équipée du moteur Mercedes, tout comme d'ailleurs la Force India. Et bien le châssis qui marche bien, l'attaque de Massa avec les pneus neufs pour prendre peut-être la position de la Toro Rosso de Sainz. C'est fait. Ah, le vétéran brésilien qui a de beaux restes et qui a de belles gommes surtout. Allez, on va entamer les trois dernières boucles de ce premier Grand Prix de la saison avec comme potentiel résultat un doublé Ferrari dans cette première épreuve. Attention, au niveau du carburant, ça va être du tout juste. Et regardez, Massa qui s'est débarrassé de la Toro Rosso, qui va maintenant aller peut-être chercher déjà la Haas avec les ultra tendres. Ouais, ouais, y a quelque chose à jouer pour Massa. Très belle stratégie de l'équipe de Claire Williams et de Paddy Lowe. Attention, drapeau vert. Qu'est-ce qui s'est passé? Drapeau vert, il y a sans doute un souci. Voiture au ralenti, qu'est-ce qui se passe? On avait un drapeau jaune. Oui, il y a une, ouais, il y a une Sauber qui est au ralenti. Crevaison pour une Sauber, nous dit-on. Alors, qu'en est-il? Ah, ce serait, ouais, ce serait Pascal Wehrlein qui aurait crevé. Sans doute peut-être sur les débris de l'accrochage de tout à l'heure avec la Haas de Magnussen qui depuis a abandonné. L'autre Haas est en train de subir l'attaque de Felipe Massa peut-être. Pour gagner cette position, Massa à l'intérieur qui va prendre la Haas et qui va même chercher la Force India. Superbe manœuvre de la Williams. C'est bien ce qu'avait fait tout à l'heure Maxou. Eh bien, ça a été réédité par Massa à l'instant. Ce qui avait été fait en bout de ligne droite par la Force India qui a énormément de mal avec ses pneus. Hein. Oh oui, la Force India qui est très large. Ça va pas tenir à mon avis. On va perdre des points du côté des hommes de Vijay Mallya. DRS, deux tours. Il reste deux tours dans ce Grand Prix d'Australie. Et la tension est forte pour le jeune pilote belge dans cette première course de sa jeune carrière. Ouverture de l'aileron arrière mobile sur la Force India. Histoire de se défendre face à Romain Grosjean qui, je ne pense pas, est en état d'aller attaquer la monoplace rose. Retour sur la caméra un peu plus loin avec Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo à la bagarre. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la Renault devant lui? Julian Palmer va-t-il résister? C'est le Britannique également en manque de confiance. Our gap to the car in front is 2.2 seconds. 2 secondes 2 prises par Massa en l'espace de quelques secteurs. Hein. Et drapeau jaune, alors qu'on est de retour avec Ricciardo, toujours derrière la Renault, mais là il va pouvoir y aller, je pense. Là ça va peut-être le faire pour la Red Bull et ça ne déboîte pas. Ok, Jeff copy, but impossible for me to be quicker than my actual pace, so we have to keep this rhythm till the end. We've only got 2 laps of fuel left. Et nous entamons la 29e et dernière boucle. 29e et dernière boucle pour les pilotes. Et cet homme, Sébastien Vettel, qui va sans doute aller s'imposer. Et sur le muret, et c'est fait, voilà. Victoire de Sébastien Vettel qui s'impose dans ce Grand Prix d'Australie. Bravo à Sébastien Vettel, doublé de la Scuderia. Alors que d'autres entament le 29e tour, c'est déjà gagné pour Vettel. Bravo. 25 points et 18. Ferrari prend la tête du classement constructeur. On va faire le point, mais c'est pas terminé parce que derrière, il y a encore des positions indécises, notamment pour Maxou avec la Force India qui doit résister à Romain Grosjean. Ils sont dans le deuxième partiel de ce circuit de Melbourne. Et Esteban Ocon qui est dixième.
Esteban Ocon, 10e. Les deux Force India pourraient se placer dans les points. Ah, ce serait formidable pour le premier Grand Prix de ces deux jeunes pilotes. Ah, ce serait un très bel exploit de ramener une 7 et une 10e place sur les 17 monoplaces à l'arrivée. Attention, on est très large encore ici du côté de Maxou. Massa, 6e. Belle performance. Attention, il glisse dans le dernier virage. Grosse frayeur. La tension doit être très très forte sous le casque et c'est fait. Thanks, Jeff. Awesome race. Awesome job on the pit, guys. Thank you. Thank you. All right, race over. Take care of the car on the way in. Merci à tous. Je laisse la main à Jean-Paul et Nicolas pour la conclusion de ce Grand Prix. Très belle prestation de la part de Ferrari qui n'a jamais paru en difficulté. D'après vous, Nicolas Martin, comment sont-ils parvenus à obtenir ce résultat? C'est la stratégie qui a fait la différence. Vous vous rendez compte que le travail sur le muret des stands permet d'optimiser chaque relais et de tirer le maximum des pneus? Cela montre une fois de plus que le collectif est important. Mais une équipe parfaitement rodée ne fait pas tout. Pour gagner, il faut également s'appuyer sur le talent du pilote. Les voilà qui montent sur le podium. Quel que soit le circuit où vous allez, les drapeaux du cheval cabré font la loi dans les tribunes. Aujourd'hui encore, ils sont de sortie. C'est Ferrari qui l'emporte une fois de plus. Voyons à quoi ressemble le classement pilote. Sébastien Vettel prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultat. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? Pour moi, Carlos Sainz a été le meilleur pilote. C'est probablement l'une de ses meilleures prestations de la saison. Il m'a impressionné. Jetons à présent un œil au classement constructeur. Ferrari se hisse au sommet du classement. On espère vous retrouver pour la prochaine course pour encore plus de rebondissements et de péripéties et découvrir qui sera le nouveau vainqueur. Effectivement, merci Jean-Paul pour cette séance du podium. Merci d'avoir suivi le premier Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se donne rendez-vous très vite en Chine. Merci, au revoir.